Oh, le mec a filmé dans deux maisons, c'est ça? Du paranormal? Qu'est-ce que c'est? C'est pas moi. Ah, c'est pas moi qui avance. C'est quoi? C'est pas moi. Bonne ambiance. Tu vois, ce qui est chiant avec Astro, c'est que ça isole trop bien. C'est ça qui est chiant comme marque. Pioneer Camp, lui est dans un camp abandonné en Russie. À la requête de ses subscribers. Pas envie d'y aller, moi. D'accord, d'accord, d'accord. Il va y aller avec sa caméra, son sac de couchage et un backpack. On y va. J'ai peur là. Ouh, j'ai peur. Pourquoi est-ce que je fais ouh comme ça constamment? Oh, Thriller, comment tu vas? J'entends trop de son. Ouh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ah, ça y est. Je crois que le rythme cardiaque il va monter tout seul. Je cours. Je peux pas courir. Jeu de mort. Il me fout les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Did someone feed the cat here? Quelqu'un genre nourrit les chats ici? Est-ce que quelqu'un nourrit les chats ici? D'accord. Oh là là. Je la sens pas celle-là, je la sens pas, vous voyez. Les amis, je vais pas vous mentir, j'ai toujours été très honnête avec vous. Il est possible qu'à l'heure actuelle, je regarde mon retour écran, qui est un peu plus petit. Et du coup, j'ai pas... Non, 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 je me retournerai pas. Non, je me retournerai pas, putain, j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai payé cette merde 12 balles, je crois. J'ai peur. Oh là là. Mais pourquoi je fais des bruits comme ça? Au secours. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais t'étais... C'est le lapin qu'il y avait dans la pièce d'à côté, les gars. Moi je vire un petit peu quand même, j'ai un peu peur. Moi je vire encore un petit bout de casque. J'ai une interaction à faire quelque part. Oh! I can read what you say. I need to get my Russian English dictionary. Je ne peux pas lire ça. Il me faut mon dictionnaire russe-anglais. Enfin, il me faut mon dictionnaire russe, quoi. Vous avez compris? Oh putain! Si tu fais un malaise, moi aussi j'en fais un. Moi. Arrêtez là avec les bruits, j'en ai marre. J'en peux plus. J'en peux plus, je vais tomber dans les pommes. Il est plus là le putain de lapin.
Oh putain. I will be the dark soon. Need to look for candle. Hein? Il y avait un truc sur quoi je pouvais interagir là. Hein? C'était bien le moment, hein. Une note devant le camion. Je ne peux pas lire ça, il me faut mon traducteur machin là. Mon dictionnaire. Je vais crever. Hein. J'en peux plus. Malaise. Je peux plus bouger. Oh non. Oui, c'est ça, va. Moi, j'y crois pas. Pas une seule seconde. Qu'est-ce que... Maintenant, je dois trouver genre un bas de quoi l'allumer, quoi. Donc un briquet. Comment c'est... Commencez pas à me mettre. Putain, je me sens mal. Oh, je pense sur moi. Ça, c'est quoi ça? Oh, je l'ai. Je l'ai. Oh non. Oh, je peux pas. Moi, je peux pas. J'ose pas me retourner. I can light the candle now. Pourquoi tu veux pas les allumer maintenant? Tu te fous de ma gueule? Oh, moi je peux pas. Hein. En fait, vous savez quoi? Vous savez ce que j'ai envie de faire là? Gueuler un bon coup. Mais gueuler un bon coup, comme ça. Ah ouais, j'ai envie de gueuler un bon coup là, comme ça au moins j'ai le stress qui part. Il partira pendant 2 secondes quoi. Il fait pas encore assez nuit. Putain. La la la, dans la vallée. Da da da, da li da da, dans la vallée. Désolée si je fais une tête de gland, hein, mais... Étagère juste après la porte des toilettes. Ah, ça là. Mais... J'ai rien à récup. Ah, c'est pas bête, ça, t'as raison. Ouais, t'as raison, voilà, le feu de couche. Il peut toujours pas lire. Hein. Oh, le malaise. Je me sens partir, les amis. Je sens que je quitte ce monde-là. Effectivement, vous aviez raison. Oh, j'aime pas ça. Oh putain, j'aime pas ça. Tiens, tu veux ton petit truc là? Fais dodo. Hop. Oh non, j'aime pas ça. Oh non. Oh non, ça fait un truc à la Five Nights at Freddy's, ça. Attendez. Oh putain. Oh putain. Oh, j'ai envie de chanter. Oh, j'ai envie de chanter. Vous m'autorisez? Vous m'autorisez à chanter ou pas? Je suis foutue. Oh là là. Da da da. Da da da. Oh non, non, non. Oh, c'est pas grave s'il pleut, tu sais quoi? C'est pas grave s'il pleut, j'aime la pluie. Les amis, j'ai envie d'enlever mon casque. J'ai envie d'enlever mon casque, les amis, je me sens pas bien.
Les amis, s'il vous plaît, j'ai envie d'enlever mon casque. Je vais faire un malaise, les copains. Ah, il n'y a plus le corbeau. Ah, il est à côté. Ah, les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi l'enlever. Je vois plus rien. De toute façon, je ferme à moitié les yeux, je vois plus rien. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur, putain. Les amis. Merde, vous avez plus l'image. Merde. Vous avez l'image, là, c'est bon? Putain, je me clique. Allez, je panique. Comment... Mais pourquoi je plisse autant les yeux? C'est complètement... Ok. J'ai mal aux yeux tellement je les plisse. Oh, je le sens, je me retourne, il va y avoir un truc. Sub à la chaîne à tout hasard, ça me donnerait du courage. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai les yeux qui se plissent beaucoup trop, les amis. Hein. Je peux rien lire, putain. Arrêtez avec ce bruit là. Le lapin bouge. Ah bah oui, je n'ai plus là ce putain de lapin, t'as raison. Allez Laura. On y est. Je me sens pas bien. Putain. J'en peux plus, hein. Il est sur la chaise derrière. Ah oui, il est là. Mais qu'est-ce qu'il était pas là, ce lapin? Je crois qu'il était pas là. Les amis, je sais pas où il est, le livre. T'as vu pire? Ah non, je te jure, Coco, que c'est pire. Ça, c'est pire. Parce que là, il y a du screamer et du jumpscare. Hein. Bon, les amis, aidez-moi. La gueule. Merci, Dinix, pour l'abonnement offert à Cerf. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le sub offert. Vous savez où est le livre? Ça m'aiderait. Oh non, hein. Les amis, la porte, elle est fermée. Oh non, moi, je veux pas me retourner. Je ne me retournerai pas. Oh non, je sais ce qu'il y a derrière. Oh non. Il faut que je me retourne. Retourne-toi, Laura. Je me retourne mal. On va faire un malaise. Allez. Oh non. Oh putain. Et le lapin est plus là. J'ai fait Alt F4, je crois. Oh putain, j'ai clippé. Oh putain. Oh nique ça. Connard de lapin. Ouais, je sais toujours pas lire. Oh là là.
quoi, c'est genre c'est fermé à clé. Les gars, oh my god, ma tête oscille, j'en ai pris un coup. Tous les cardiologues de France l'ont demandé. Non, mais moi j'y crois pas. Oh là, il y a un pigeon, je le sens tellement mal. Coucou. Même le pigeon, c'est un jumpscare. Bon, par contre, sans déconner, il le faut là, le. Son ouvrage là. Du coup là la nuit est passée. Il est en mode oh ma tête. Oh j'ai peur. Franchement. Tu vas dire, je peux pas l'arracher ça. Oh, j'ai peur. Enfin. Enfin! You're not welcome here. Donc, ce qui veut dire, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Oh la vache! Alors du coup, je vous ai dit, je parle que dalle en anglais. Du coup, j'ai pas de... Les pompiers sont là. Les gars, j'ai trop envie d'enlever mon casque, par contre. Je vous jure. Cette angoisse. Quelqu'un a déjà composé le numéro des pompiers au cas où. DR. Vous pensez que si on quitte le jeu... Vous pensez que si on quitte le jeu, il y a une sauvegarde? You need to pick up a small mirror and steady enough. Oh non, on va te faire foutre. Ah, il est hors de question. Ah, je crois pas ça. Alors, vous avez. En gros, vous avez besoin de prendre un petit miroir and stand in front of a large one when you make a corridor. Genre, tu te le mets face à toi? Say, et dit trois fois Barefoot Lady, show me fate machin, là, montre-moi ma couille. Excusez-moi, je deviens mal poli. C'est parti tout seul. Oh putain. Je suis persuadée d'avoir tenté de la... Pas compris. Il a parlé de... Oh les gars. Il recherche des bougies. Mais non. Mais putain. Coucou mon slip, comment tu vas? Ouais, au repos, ouais. Je suis un peu haut. Oh là là, arrête.
là là. Oh là là. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Horrible. Pouy, hein. De la fenêtre, regarde le tableau électrique en haut de la porte. Ah, ça? Oh putain. Ok. Ouais, il faut un fusil, ouais. Et là, est-ce que je peux sortir? Putain, non. J'ai pas le droit, hein. Tu sais, depuis tout à l'heure, je regarde comme ça, mais... pas plus mal comme ça aussi. Je peux pas dans cette salle, quand je change, il me dit non, t'as pas tout regardé. Ça a pas l'air de faire quelque chose de ouf. Hein. Oh, ça y est! Putain. C'est horrible. Franchement. Oh lolo. C'est très long. Bah, la porte d'entrée, s'il y en a une, ok. Je vous laisse un peu, genre 20 secondes au cas où si vous avez envie de le lire. Pour le moment, on a eu un screamer. Après, le truc, c'est que j'avance très lentement. Je suis très très lente quand j'avance. Là, il y en a plein qui seraient quasi à la fin du jeu, là. Moi, je suis qu'au début, là. Oui, il y a des objets qui sont cliquables, alors oui. Oui, je suis d'accord. T'avances à ton rythme. Bah ouais, mais bon, il est lent quand même. Je voulais laisser. Si jamais... Ah oh, putain. Ah bah oui, le fusible est manquant, on a compris, mais bon. Mais non. Mais non. Bah. Ça ressemble quand même à un fusible, hein. Va dans la salle de tout à l'heure. La salle d'école, là. Où il y a le cochon. Le cochon. Pour moi, c'est la salle de tout à l'heure. Mais c'est quoi le cochon? Franchement, j'ai franchement pas trouvé grand chose. Ah ouais? Trop stressé, les amis. Je vous jure. Non, mais en fait, ouais, les objectifs, c'est un peu claqué, quoi. Ah, tu trouves dans la carcasse? Pas bête, hein. Le carton à droite. À droite, tu me dis qu'il y a un carton.
carton à droite. Il y a un chariot et en bas. Oh, attends. Je cherche le chariot. Les objectifs, quel bordel. Fusible dans un carton, ok. Dans cette pièce. Est-ce que vous me confirmez juste que c'est dans cette pièce? Le chariot derrière, putain. Je suis aveugle ou comment ça se passe? Oh, genre ça? Oh putain. D'accord. Oh d'accord. Merci. Merci les copains. J'ai trop peur. Oui, c'est un lit, c'est vrai. C'est pas grave. Hein? High voltage is live, quoi? Il est en train de dire que c'est allumé? C'est ça? Oh, putain. Fallait prendre le carton. Ah, tout le carton? Oui, d'accord. Quelle angoisse! Allez, je relaie nous. Oh putain. Et je turn off où? Je le turn off dans la. Oh. Je turn off dans la salle de classe? C'est ça? I need to go bed. Ah bah super. Non mais sans déconner, 8 ans pour trouver ça. Excusez-moi, 8 ans pour le trouver. Ah bah si. Oh la vache. Let's go Kiki, on y va. Alors est-ce que c'était quoi ça déjà? Je peux les prendre les ampoules? Non. Faut pas que... Hein. Faut pas que je prenne en compte le... Ah là 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 là. On y va, on y va, on y va, go go go. On est qui là? On est qui le chat? J'essaye de... De pas prendre en compte les bruits ambiants. Est-ce que le son vous va? Oh putain. Ça commence. Ouh. Oh, j'ai peur. Il y a un truc à prendre ici ou pas? Excusez-moi si je parle fort aussi, mais j'ai mis le bruit ambiant dans mes oreilles, du coup j'entends pas bien le reste quoi. Ah, j'ai téléchargé aussi Google Lens pour les traductions vu que je suis nulle en anglais. D'accord.
comment j'ai peur. Comment j'ai peur. Putain de poupée là. Sérieux, Aiden ? La chance ? Oh là là, j'aime pas ça ! J'aime pas ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? It's lock ! On cherche quelque chose. Il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur, mais du coup, on va pas l'ouvrir, c'est fermé. J'ose pas me retourner. J'ose pas me retourner. Les gars, j'ose pas me retourner. There were spare light bulb in the... Oh là là. Putain. Oh, j'ose pas regarder. Je regarde sur le retour, je regarde sur le retour, les gars. Je suis comme ça. Ah putain, j'ose pas me retourner. Et si je fais comme ça? Je sais pas ce que je dois faire, les gars. Toujours fermé, bah oui. J'ose pas. Je regarde le retour, Peut-être dans la putain de salle de bain, on n'a pas encore été. Oh non. Oh putain, pas ça, hein. Pas ça, hein. Oh putain. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? What is this box? Je ne sais pas. Ah ouais, il y a une box là, effectivement. Qu'est-ce que cette merde? C'est quoi? Putain! Oh, j'ai envie d'arrêter. Oh, j'ai envie d'arrêter. Oh, j'ai envie d'arrêter. Je vais faire un infarctus. Un sale infarctus. Dessus, je préfère vous prévenir. Oh, je préfère vous prévenir, l'autre il va nous dash dessus. C'est la putain de peluche qu'il y avait il y a 2 secondes sur le... Les gars, préparez-vous mentalement, c'est la putain de peluche qu'il y avait sur la chaise. On avance. Oh, possible. Oh, j'ai beau me préparer mentalement, ça va pas. Oh, j'ai beau me préparer mentalement, j'arrive pas. Oh la vache. La... Oh putain. C'est la fête au jumpscare, hein. Oh, c'est la fête au jumpscare, clippez les amis, clippez. Putain.
On a vécu plus de jumpscares ce soir en quelques minutes que hier. Oh, les sons, ils te mettent dans le mal. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je suis à ça de la l'infarctus. Oh là là. Je regarde le retour. Oh oh, je rigole parce que je vois ma tête sur le retour. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais je vais la frapper! Donnez-moi quelque chose là avec tout ce qu'il y a! Je peux la frapper! Oh, je vais crever! Ah, il fait noir! Je peux pas l'ouvrir cette porte de merde! Qu'est-ce que je dois faire? Le chat, qu'est-ce que je dois faire? Mais oui, mais tu m'étonnes sans cesse, vu que je suis paniquée. Oh la vache. Oh la vache. Pourquoi la porte elle est fermée? C'est pas moi qui ai fermé la porte, hein. Oh putain. Il y a un truc de caché. Let night when people fall asleep. No need for fun and no need for a fool. Hein. And the bells are empty. Alors, je sais pas lire l'anglais, j'en ai rien à foutre de toute façon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des monstres. Il y a de gros problèmes dans cet établissement, moi je vous le dis. La clé. La clé. Oh là là, pourquoi la balle elle bouge toute seule? C'est pas moi qui ai bougé la balle. Oui, allez, I can open the box. Allez hop, tu vas l'ouvrir vite, plus vite que ça. Hein. En from 1950, loot scandal. Nanana, for offense. The nurse Crowley. C'est quoi moqued? Ça veut dire quoi? J'ose pas me retourner. Parlez-moi le chat là, au lieu de rien dire, parlez! Parlez-moi! Cher journal, aujourd'hui, c'est l'annuel. Traduisez s'il vous plaît. Bonjour, je parle. Traduisez s'il vous plaît. Hein? J'ai rien fait, hein? J'ai rien fait! Gros diable! Comment ça va? Que de l'horreur! Night of 58! Comment ça? Google Lens, ça s'appelle. J'ai rien fait, hein! Oh non! Oh non! Oh non! Après une sévère tempête, il n'y a plus de courant. Enfin, il n'y a plus de lumière. Oh putain, c'est la salle de classe! Ouais, ça ne fonctionne pas. Bah oui! Oh non, moi j'aime pas ça. En fait, là on est dans les années 58. On va voir le lien qu'il a mis, ça va te détendre. Ok, on checkera ça plus tard. Oh les gars, je vais avaler ma salive de travers, je le sens dans 2 secondes. Children are asleep, I won't. Ok. Qu'est-ce que je dois faire alors? Casier que je peux ouvrir. Avec une boîte à musique à l'intérieur. Des jouets. J'ose pas. J'ose pas me retourner. C'est le passé, on est d'accord, hein. Mais on peut pas la prendre cette boîte à musique? Les gars, j'ai peur. J'ai les mains moites. J'ai peur.
Je peux pas la prendre. J'ai peur. Ça marche, Jay. Oh, là, il y a un papier. Il y a un papier. This is a paper. J'en peux plus, mon anglais, c'est terrifiant. Je vais tenter de vous traduire ça. The key dans le placard. The key dans le placard, non mais putain. Ça me terrifie au bout d'un moment. Il y a pas un petit truc à lire là-dedans? Ah, je peux interagir avec ça. Ah bah ça, c'est ça. Ah bah oui, non, someone phone. Ah bah oui, il nous faut la clé. Ça a bougé derrière toi, sérieux? J'ai peur. Arrêtez. Ah, la putain de poupée. Ouh. J'ai peur. Et si... Oh putain, la fenêtre et tout, là. Écoute, la musique, elle est là pour te calmer avant le pire, non? Arrête, arrête, arrête. Arrêtez, arrêtez, là. J'essaie d'y faire abstraction depuis tout à l'heure. Oh, j'ai peur. Bah, c'est la boîte à musique, hein. C'est le... Ah, putain. La quai. La quai, tout à fait. The key. The key for... To the safe. Allez, prends la clé. Oh, je peux en retourner. La bougie. C'est qui a allumé la bougie? Oh, je regarde pas. Je regarde pas. Je ne regarde pas. She's a maniac, maniac. I need to spray sleeping gas so that all the strindle can be transferred to the hospital for surgery and then return. On a besoin du spray. Mais c'est quoi sleeping gas? C'est genre le gaz pour dormir? Ils vont mettre ça sur les enfants? Pour qu'ils soient transférés à l'hôpital? Si quelqu'un peut me traduire ça. C'est un orkiki. C'est un orkiki, ça. Magnifique accent, je sais, j'essaie de m'améliorer. Si quelqu'un a la trad, vite fait, en gros, c'est un gaz qui te fait dormir. Ok. Moi, ça me va très bien, les grosses trades comme ça. Très bien. Je take. Putain, je vais crever. Oh, the filter is missing and the glass is broken. J'en peux plus de cet anglais, putain. Oh! Les gars. Je dois me lever, je dois me lever! Oh putain, j'aime pas ça, j'aime pas ça! Need to put the gas cylinder under the door, bah tiens! C'est pas moi, ça le fait automatiquement. Hein. C'est quoi ce bordel? Ça me pète les oreilles. Bah, c'est le journal de Maria. Allons le lire. Ah non. Le dictionnaire, à ne pas oublier. C'est moins stressant d'être en plein jour quand même. Hein. Putain les gars, j'ai... En fait, vous savez ce que je me dis depuis tout à l'heure pour me rassurer, c'est que je fais comme si vous étiez là près de moi. Ok, j'ai pris la photo. Je vais regarder derrière parce que... Oh, le focus, j'aime bien. Ça fait peur, mais j'aime bien. Gros beau crevé, là. Oh là là. You were told, crossed out, to get out of here. Leave this place alone. C'est quoi, you were told? C'est... Non, t'avais raison, même pas. Bon, en gros, on doit dégager. Casse-toi d'ici! Ok. Thunder a mis un lien cool, apparemment. Qui c'est qui nous écrit? C'est la personne, là? It's locked. Oh!
Mais non! Oh, je regarde mes pieds. J'entends rien, j'entends rien. She's a maniac. Ok, j'ai écrit. Je lui ai écrit des petits trucs. Je lui ai écrit quoi? I know it. Je sais ce qui se passe ici. Laisse-moi t'aider. Dis-moi, où es-tu? Est-ce que c'était ça, mot pour mot ou pas? Ah, je suis fière de moi si c'était ça. Putain, j'entends des bruits chelous, les gars. Toi, le dire, ok. C'est gentil, sirène, de me faire les trades. Moi, je sais pas quoi faire. Hein. En fait, j'attends les réponses. À qui tu es? Merde. Ah, oh, j'étais pas loin de la bonne trad, hein. Merci de m'aider. Moi, je veux savoir c'est qui le gars avec la combinaison jaune. Je sais pas. Les gars. Allez, là. Les gars, il va falloir que je retourne là-bas. Je regarde mon retour, vous m'en voulez pas? Je regarde le retour. Je vais crever, hein. Je vais crever. Je suis désolée, je regarde le retour, j'ai trop peur. Le son et tout, ça me... Ça va, Matador. En phase de stress, mais ça va. Un connard de lapin, là! Mais je vais te fumer, moi! Je vais te fumer, mon petit pote! J'en peux plus de ce lapin, je vais me faire fuser, moi. Je vais me le faire, lui. C'est pas possible. Oh, I read that people were killed here. J'ai lu que des gens ont tué ici, je sais pas. Coucou Siou, comment tu vas? Did you do that? Tell me. Je sais pas, dis-moi et je vais t'aider. Je sais pas, dis-moi et je peux t'aider. Did you do that? Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai lu que des gens ont tué ici. Non, c'est quoi? Nous sommes là avec toi. C'est pas la trade, ça. Ah, t'as tous ceux qui m'ont un lapin, faites attention. Elle va venir chez vous pour le fumer. Tu vas choper le lapin par les oreilles et le balancer dehors par la fenêtre. T'imagines pas le plaisir que je vais me faire. Si quelqu'un peut me traduire ça. Oh putain. Mais je veux lui écrire combien de fois comme ça? Des gens ont été tués ici, ok. Putain, mais mes traductions sont vraiment approximatives. Hein. Qu'est-ce que je fais? Oh les gars, je regarde le retour. Je regarde le retour parce que ça va repéter. Ah, tu fais ça, ok. Merci les gars pour la trad. Je regarde le retour. Ok? Les gars, je me sens tellement mal. Le son est bon, hein. Ta gueule. Merci Bouboule pour l'abonnement offert à Matador. Merci beaucoup, des gros bisous à toi. Merci. Merci de me soutenir dans des moments comme ça, les gars. Merci beaucoup. Oh, il m'a écrit. I was accused, but I didn't do chef, but I didn't, ça veut dire, comment tu dis, didn't, do it, ta gueule m'a fait peur, bon j'ai été accusé mais j'ai rien fait, c'est ça, j'ai été accusé mais j'ai rien fait, et après get out of here, dégage de là quoi. Oh, ça y est, j'ai compris cette phrase. Yes, j'ai compris, soyez fiers de moi. Oh, je regarde le retour, j'ai trop peur. En fait, c'est auto, ça. Est-ce que c'est ton nom, Jacob?
tu as vécu ici toute seule. Enfin, tout seul, je sais pas si c'est un mec ou une meuf. Tu as vécu ici tout seul pendant toutes ces années, c'est ça? Je m'améliore. Eh, je pense que là, dans deux jours, je pense que c'est bon, je suis bilingue. Ah, je pense que c'est ça, hein. C'est ton nom, Yaakov. Je pense que c'est ça, hein. T'as vécu ici tout seul pendant toutes ces années. Ah, j'ai compris. Bon, je regarde le retour parce que je suis dans mon froc. J'ai peur, I'm scared. Ouais, je pense que je commence à parler plusieurs langues. C'est quoi ça? Non, moi j'ose pas bouger. Dans deux secondes, je fais un malaise. Allez, vas-y, dis-moi ce que tu m'as dit. Yes! Here I can communicate with my friend. C'est quoi I can? C'est genre je peux pas communiquer avec mes amis? Donc il dit oui, je suis là depuis ces années, je peux pas communiquer avec mes amis. Je garde cet endroit parce que c'est quoi it is our home? C'est pas genre mon chez moi, si? Non, c'est pas mon chez moi ça. Je peux, ah d'accord, je peux communiquer avec mes amis. Et garde cet endroit parce que quoi? Ok, I can c'est je peux. C'est leur maison, d'accord. A lot of people can... Ah ça je comprends pas, voilà. A lot of people come here just to break. Ça je comprends pas. Là je comprends pas, faut m'aider. Ici je peux communiquer avec mes amis, nous gardons cet endroit parce que c'est notre maison. Beaucoup de gens sont venus ici juste pour casser nos affaires. Mais mes amis m'aident à chasser les étrangers. J'ai peur que quelqu'un me voie et me dise que j'habite ici et que ces gens viennent me chercher. Merci beaucoup de toi. Merci beaucoup pour toute cette traduction. Et là je pense que mon rythme cardiaque, il arrive plus à baisser parce que là, je commence à avoir mal au cœur tellement j'ai peur. Ok, merci pour les infos. Putain, les gens sont des gros porcs, hein. Pff, cet anime... Oh, il y a le lapin! Il y a le putain de lapin sur la table! Oh non, pas lui. Oh, je veux le fumer. Where are you, friend? Why are they here? C'est où sont tes amis? Non, where are you? Non, c'est comment ils vont? Oh, je sais pas. Comment ils vont? Comment tu vas? Je sais pas. Putain de lapin, j'en peux plus. Coucou Kratos, comment tu vas? Kratos, je te déteste, hein, accessoirement encore, hein, mais... Attrape-le, c'est la guerre. Je vais le crever, le lapin. Je vais le balancer à la fenêtre. Qui sont tes amis? Ok. Ok. Je vais le fumer, hein. Là, la prochaine fois que je me retourne, gros screamer. Il est plus là. Et là... Spirit of this place. Tous me torturer de lire. Ah, il faut m'aider les gars là, il faut m'aider. The spirit of this place. That day in the evening after light. Pourquoi ils font jamais des gens français, c'est insupportable. Didn't feed me. Elle est très longue cette séquence de blabla, hein. Oh là, il y a le mot poison là dans l'histoire. Les esprits de cet endroit, ceux qui ont été torturés ici. Ah bah voilà, c'est quand même plus simple de lire en français. Si quelqu'un a la trad...
Oh la vache, eh, regardez mon rythme cardiaque comme il est bloqué. Je vais regarder. Ah, je vois qu'il y a de la trad, il y a de la trad, attendez. Je vais regarder si j'ai pas coupé le capteur cardiaque. Et si je l'ai coupé le capteur cardiaque, attendez, je le remets. Excusez, en fait il est bloqué à 104, mais parce que je l'ai coupé. Voilà. Là je suis en train de mourir, voilà. Là vous voyez que je suis en train de crever. Je le sens, je suis pas bien. Les esprits de ce lieu, ceux qui ont été torturés ici, ils sont restés enfermés ici ce jour-là, le soir, après l'extinction des lumières. Quelqu'un est venu. C'était probablement la personne avec qui le réalisateur a parlé. Il ne m'a pas trouvé. Je pense qu'à cause de cela, il a empoisonné tous les résidents et le directeur. Putain. Quelle bonne ambiance. Bon, on y retourne. Là, vous voyez le civet, là, il est de retour, ce connard, c'est sûr. C'est qui ça? Oh non. Oh putain, j'aime pas ça. C'est qui maintenant? Il y a des gens qui vont rentrer. All this West Planet by the director of the camp. Tous les plans ont été dirigés par le directeur du camp. Je sais pas si ça veut dire ça. What are you talking about? De quoi tu parles? Je sais pas. What king of... Tu parles de qui ou un truc comme ça? Je sais pas. Aidez-moi. Le chat. J'apprends l'anglais en parallèle. Oh, par contre, là, je suis stressée. Je pense que c'est pour ça, là, en même temps que j'essaie de faire de la lecture et que vous, vous m'apprenez des mots en même temps. Parce que je suis tellement stressée, là, que mon cerveau, il est en mode, ça va lâcher, ça va lâcher, ça va lâcher. Je suis trop stressée, je suis à 106 alors que je suis qu'en lecture. Oh, la vache! Tout cela a été prévu par le directeur du camp. Qu'est-ce que tu racontes? À quel genre de personne parlait-il? Ok. Merci pour l'info. Oh là là. Oh là là. Bonjour. Putain. J'en ai marre de ce patelin de merde. Coucou Simba, comment tu vas? Oh non, tu vas me répondre instantanément. Hein. Tout de suite. J'attends devant la porte. Oh, j'en ai rien à foutre, je bougerai pas. Même s'il y a le lapin derrière que j'ai envie de bouffer là. Depuis 10 plombes, je le boufferai même pas, tiens. Il y a un mec à la... Oh, yes. Oh la vache. It's all here. I saw our director talking to someone in an old hospital near the camp. They agreed. Agreed? C'est quelqu'un un peu trad. Oh la vache. Merci Kratos pour l'abonnement offert à Thriller. Ah bah merci. Merci Kratos pour le sub offert à Thriller qui est en train de faire les... Appeler la police. Qui est en train de faire les traductions. Tu m'as dit, tu vas manger du lapin. En plus, j'aime pas le lapin. Ils sont beaucoup plus mignons en mode bah, tranquille dans leur petite cage hein, ou en train de se balader. En train de se balader à la campagne avec leur petite bouille là. Quoi le jeu, je viens d'arriver. Summer of 58, un jeu d'horreur terrifiant. Si quelqu'un a la trad, merci beaucoup Léa. Coucou Léa, comment tu vas? Excuse-moi, mon cerveau est en train de partir en latte. Merci encore Kratos pour l'abonnement offert à la commune. Alors, c'est tout elle. J'ai vu notre directeur parler à quelqu'un dans un vieil hôpital près du camp. Ils ont convenu qu'ils feraient leur travail la nuit. J'ai réalisé que c'était lié à nous. Mais je ne pouvais pas avertir tout le monde. Je n'ai pas vu qui d'autre était là. Parce que j'avais peur. Oh là là. Mais attendez, attendez. J'avais peur, je me suis cachée. Le matin, je suis entrée dans le bâtiment et je n'ai trouvé personne. Son coffre-fort n'était pas non plus là. Je pensais que l'homme et ses assistants avaient emmené tout le monde. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Ah, je lui réécris encore? Mais on passe la porte. Défonce la porte un gros coup! Qu'on discute là! Emmener tout le monde et cacher le corps dans ce bâtiment. J'ai dû rester ici, vu dans la ventilation seulement parfois. Oh mon dieu! La building abandonnée. Can I get... Oh là là. Le bâtiment est abandonné? Putain, hé les gars! On est en train de faire une discussion là! Alors que ça pue la merde autour de nous! Ah, moi je reste là, je ne bouge pas, c'est la même technique là. Je reste là, elle va me répondre. Dans quelques instants, elle va me répondre. Moi je reste là. Je ne bougerai pas. Tu vas me donner le papier vite. Merci encore Kratos pour l'abonnement au Kratos. Vite! Oh! Super, ça va m'aider ça. Et ensuite? Yakov de Zone Answer anymore, it's time to go to abandoned hospital, need to tear the board of the front door. Ça veut dire quoi la fin? Ça voulait dire quoi? En gros on va aller dans un hôpital abandonné maintenant, mais on a que ça à foutre.
Ah, ça y est, mon rythme cardiaque va augmenter, c'est le stress. On a que ça à foutre là d'aller dans un hôpital abandonné. Excusez-moi. Ça va me péter la gueule. Ok. Oh là 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 là. Affronte pas, ok, c'est porte de devant. Oh là là. Oh, l'arrêt cardiaque à ça. Pou Scorpion, comment tu vas? La musique est apaisante, c'est le pire des bails. Oh, je suis comme ça. Oh, ça y est, nuit 3. Dernière nuit, les amis. Dernière nuit avant de finir le jeu, je crois. Oh, mais là, là, on est foutu. Jacob said that I could prof here. Let's take a look around. Ça va mal finir. On va se faire bousiller la gueule. Bah tiens, il a repris son petit dick au cas où. Je regarde le retour, je suis désolée. Ça m'empêche pas d'avoir peur, mais je vous jure que là, mon rythme cardiaque est en train de parler lui-même. Regardez, je ne bouge pas de la pièce, là. J'arrive pas à me... J'ai trop peur. Donc là, on a une porte. C'est lock. On a un lit. Une porte, c'est lock. Une porte, c'est lock. Oh, j'aime pas ça, moi. Papier que je peux pas ramasser. Je lève jusqu'à minuit, Léa. Oh putain. Le jeu est vraiment de bonne qualité. Il y a un truc que j'ai dû oublier. Quoi, je sais pas encore. Ah. I just come here, I need to find... Ok, il dit qu'il arrive de là, donc ça sert à rien. Enfin, j'ai une annonce à te faire, ça marche, Kratos. Tu vas me dire, en fait, c'est moi qui ai créé le jeu. Je l'ai créé spécialement pour toi. Pour devoir faire un infarctus. Vous savez que des fois, je fais des pauses pour avaler ma salive dans le jeu d'horreur, là. Parce que j'ai peur d'avaler de travers et de crever. Regardez mon rythme cardiaque, comment il est en PLS. Pourquoi y'a ça? Je comprends pas ce que je dois faire. C'est quoi cette merde là? Ah, c'est fort les bruits là. Je suis d'accord avec toi. Vous voulez que je baisse? Vous voulez que je baisse les sons ou pas? Dites-moi le chat. Ouais, il y a un attrape-chave, ouais, j'ai vu. Baisse un peu le son du jeu. C'est bon. Ok, bah je l'ai baissé une chouille, quoi. Là, c'est bon ou pas? Si vous voulez le son comme avant, vous me le dites. Moi, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Je vous le remets à fond. Hein. Là, ça donne quoi? Je comprends pas ce que je dois faire, là. Oh, la vache! Les gars, je sais pas ce que je dois faire. Oh putain, la pièce elle a changé. La pièce a changé. 1946, after the war, après la guerre.
Dozen et les enfants. And up, je sais pas ce que ça veut dire en fait. Non, je sais pas ce que ça veut dire. La pièce, elle a changé, les gars. Les gars, j'ai qu'une chose à vous dire là. Juste, préparez-vous mentalement en fait. Parce que là, je crois que c'est le dernier chapitre du jeu. Vous entendez le bordel là? C'est le dernier chapitre du jeu. Hein. Je pense que là, ça va être la fête du jumpscare et du screamer. Je préfère vous prévenir, moi je pense que l'arrêt va arriver là. Allez, allez, 1946. Ah, j'aime pas les bruits là, j'aime pas les bruits. Après la guerre, des dizaines d'enfants se retrouvent dans des refuges après avoir perdu leurs parents. Un orphelinat pour l'entretien et l'éducation des orphelins travaille sous la direction de l'armée. Ok. Merci pour l'info thriller. Je vais faire un infarctus. This door lead to another corridor. I have a angle to make my backpack can cut. Oh putain. C'est quoi cette merde? Oh, il y a eu un trafic d'organes. Oh là là, bah tu m'étonnes. Vite le lien, il va faire un AVC. Il y a un trafic d'organes. T'as fait un effort de fou pour arriver là, t'as vu ça? Regarde le rythme cardiaque comme il va péter. Quelqu'un peut traiter ça? Petite poupée vient hanter sa maman. Un conseil, Kiki, respire bien fort. Ouais, bah c'est parce qu'il y a un truc, c'est ça. Bon, pas de spoil, on va le découvrir. Le médecin de l'orphelinat a été détenu pour trafic illégal d'organes pendant 6 ans. Il a frauduleusement fait des diagnostics erronés et a effectué des opérations pour enlever les... Oh, la cachette directeur n'était pas au courant, mais il ne pouvait pas continuer à diriger son poste. Le bâtiment est devenu l'abandonné. Oh, ah ouais. Ah putain, c'est chaud. Bon les gars, on va chercher la pince. Je vais te défoncer! J'en ai marre! Putain! This place won't let me go, I have to finish! Je dois finir ce que j'ai commencé! Je l'ai la pince? Je l'ai? J'ai la pince ou pas? Ah ouais, d'accord. C'est pas moi, ça c'est toi. Les gars, j'ai trop mal au cœur. I know what my duty is wrong, but I have no choice. Mais je n'ai pas le choix. I have to save my son Ivan. Je dois sauver mon fils Ivan. Was lucky. Je suis chanceux que Alexei machin ait voulu m'aider. Je sais pas ce que ça veut dire Mustan ou je sais pas ce que ça veut dire Houston. Je sais pas ce que ça veut dire en vrai. Coucou Yaya, comment tu vas? Ouais, attention si t'as mal, ouais, de ouf. Bah, quelle rapidité Thriller. Quel enfer, quel enfer, quel enfer, les amis. J'ai très peur, là. Ah, il y a combien de nuits? Bah, je crois que c'est la dernière, je suis pas sûre, mais je crois que c'est la dernière. Je crois qu'on m'a dit 3. Koumilanen, comment tu vas? Je sais que ce que j'ai fait est mal, mais je n'avais pas le choix. Je dois sauver mon fils. J'ai eu la chance qu'Alexei ait accepté d'aider. Je ne dois pas l'abattre. Personne ne devrait connaître nos affaires. Ah ouais. C'est chaud, hein. Bon, allez. Vous êtes prêts? Ah, c'est auto, hein. C'est dès que je m'approche de la porte, ça fait ça. J'ai trop peur qu'il y ait un truc derrière la porte. Ah ah.
putain, ça va mal finir. Ah, tenaille. Qu'est-ce que j'en fous de ta tenaille de merde? Ah là là. Ça va me péter dessus. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur, les amis, j'ai peur. Il va se passer un truc. C'est sûr. Je l'ai lu, ça? Je sais plus ce que j'ai lu, moi. Oui, c'est on l'a lu. J'ai trop peur, j'ai les mains qui sont trempées. Derrière. On fera les explications après, au pire, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on fera les explications après, vous savez quoi? On va même pas lire ça. On va même pas lire ça. On va se barrer. Et on fera les... Kratos, si tu sais un peu ce qui s'est passé, on fera les explications après. Ou sinon, j'irai sur Steam voir s'il n'y a pas du FR qui a parlé de la fin un peu pour expliquer et tout. Vous êtes prêts? Ben, je dis GG parce que la première fois que je te vois si courageuse, t'as vu mon BPM? Je suis à deux doigts de crever. Et qu'est-ce que je suis censée faire là? Est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Est-ce qu'il y a un truc à faire ici à part prendre ça? Pourquoi venir ici et prendre ça? Je sais pas où je dois aller. Les gars? Il faut m'aider, je suis en train de paniquer. Aidez-moi. Aidez-moi s'il vous plaît. Ah non, mais respirer lentement, c'est mort. Trop de stress. Le jeu me fout trop les boules. L'arrêt cardiaque est à ça d'arriver. Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au matin parce que le quart de travail d'aujourd'hui me dérange. Je veux m'enfuir d'ici. Mais moi, alors que je ne serais pas payé, j'entends des voix. Comme si je n'étais pas seule, j'ai cru voir une femme. Oh là là, une... Oh non, plus comme sa silhouette. Oh non. Oh non. La lecture est importante dans le jeu. Elle est importante pour la suite de l'histoire, c'est ça? Ou genre juste pour le... Sur maman poser des produits, fait des plumes et des toiles d'araignée. Je n'ai jamais vu nulle part. Ils ont l'air terribles et ça sent les choses mortes de là. Ok, je vais prendre un autre verre et aller me coucher. Sur l'armoire, poser des produits de plumes et des toiles d'araignée. Là, qu'il faut que tu trouves un placard. Alors attendez. Je regarde mes pieds. Parce que ça, c'est un placard. Hein. Oh putain! Salope!
celle-là. Alors celle-là. Oh, celle-là, je l'aurais bien bouffé aussi, mais celle-là. Oh, celui-là. J'ai été voir dans mon sac tout à l'heure. Oh, celle-là, elle était belle, celle-là. Oh, celle-là, j'aimerais bien savoir combien de pourcentage du chat a sursauté, là. Oh, putain, j'aimerais bien savoir combien de pourcentage du chat ont sursauté, là. Putain, elle m'a... Levez la main, ouais, dans le chat, c'est qu'on sursauté. Manon, Larisse, Sirène, Iliès, Benoît, Master... Ah, bah, s'il y en a... J'attendais que ça. Oh putain, quel enfer, Kratos. Rami Meli, Hero Geek, Jeu Clip, t'as bien raison, Thriller. Ça va finir sur TikTok, ça. Oh putain. Oh la vache. Et moi, je continue d'avancer, mais je suis complètement timbré, hein. Putain. Reste sur le live, Jordan, je crois que tu vas pas être déçu. Qu'est-ce que je fous là? Bah fais une pause, Kiki, qu'est-ce que tu fous? Pause. Putain, j'en reviens pas. Vous savez quoi? Quand il a parlé d'une femme, enfin quand Thriller a traduit dans le chat et qu'il a parlé d'une femme, dans ma tête je me suis dit à tous les coups, vu qu'on voit une gonzesse passer de temps en temps là, hier on en voyait une, aujourd'hui on en voyait une, je me suis dit ça se trouve on va en voir une encore. T'es tendu comme une crampe. Je dis t'es tendu. Coucou Romain, comment tu vas? Ouh, ça m'a grave surpris. D'accord, coucou Shift, comment ça va? Bah moi j'ai peur, hein. Balance le clip, dès qu'il y a le clip, n'hésitez pas à l'envoyer à Thunder dans le chat. Il mettra le clip sur le chat. Oh putain. Oh, je m'y attendais tellement pas. Depuis tout à l'heure, on se prend que des trucs qui passent ou qui nous passent dessus, mais on n'avait pas encore pris de trucs qui pop devant nous, quoi. Et elle a gueulé. Mais qu'est-ce qu'elle a gueulé? Eh, le son, il vous a pas arraché les oreilles? Parce que moi, j'ai perdu 2-3 d'audition. J'en ai des frissons. Oh la vache! Oh la vache! Oh, putain. Attendez, je fais une pause parce que là... Oh mince, Shift! Bah écoute, reste là. Reste là, tu vas rigoler. Et reste là, tu vas passer un bon moment, je te le dis. Ça va? Putain, moi, ça me suis fait péter les oreilles. Surtout toi qui as gueulé. Ah bah excuse-moi, j'arrivais pas à rester stoïque face à ça, hein. Elle avait pas une belle tête, non, elle avait une tête vraiment dégueulasse. Et on y retourne. Il faut qu'on le finisse ce jeu, je vous ai fait une promesse. Allez, stop, on y va. Ouh, on y va. Hein? Oh non. Allez. Oh putain. Les gars. Les gars, c'est fermé. Ah ouais, Eden. C'est fermé, hein. J'ose pas me retourner. J'en peux plus de ces gamins là! Je vais les cramer! Je vais tous les cramer en un! Putain! Ouais, je vais la fumer! Là, je vais la fumer! Elle, toute sa famille là, je vais les dégommer! Ouh, attendez, je vous mute le son pour pas que ce soit désagréable! Elle et toute sa famille, là, je vais les fumer. Pardon, il est parti tout seul. Attendez, excusez-moi. Pardon, c'est parti tout seul, excusez-moi. Alors, fantôme, me situe. L'année dernière, après les événements de 1950... Le bâtiment a été reclassifié en hôpital. Mais le budget a été coupé. Ils ont coupé le... Enfin, en gros, ils ont arrêté les travaux, quoi.
Tu m'étonnes, vu ce qu'il y vit. Ah ouais, Nat. Ah mince. Excusez-moi, j'étais vulgaire, c'est vrai. Excusez-moi. Bon, c'est vrai que je le suis souvent, mais là, je m'en excuse. Là, c'est vrai que les mots ont dépassé mes pensées. Quoique, pas trop, mais... Allez. Ah, le son, là, ça me stresse. Il y a quoi d'autre à prendre ? Le bâtiment a été reclassé en hôpital avec les coupes. Ah, ça, ça va, j'ai compris, Thriller. Ah, je suis contente, j'ai réussi à comprendre ça. Me dites pas que je suis venue là juste pour me prendre un screamer de gratuit. Oh là là. One who found me feel of pain of mother who has lost her child. J'ai rien compris, aidez-moi s'il vous plaît. Par pitié, traduisez ça s'il vous plaît. J'en peux plus là, des gens en anglais. Vous pensez à ceux qui parlent pas en anglais? Qui ont du mal? Qui ont peu de notions de l'anglais à jour? Eh oui, je ne bicose pas anglais malheureusement. C'est fou parce que quand j'essaye de faire... Voilà, j'arrive pas à le faire, mais quand j'ai peur, j'arrive à le faire. N'importe quoi. Si quelqu'un peut traduire ça. Le pendu n'est plus. Comment ça? Quoi? Laissez celui qui me trouve sentir la douleur d'une mère qui a perdu son enfant. Coucou Lunette Voile, comment tu vas? Vous savez que j'ai rien dit à l'histoire, hein, tellement j'ai peur. Hein. Que ceux qui me trouvent ressentent la douleur d'une mère qui a perdu son enfant. Ok. C'est pas moi qui ai pété, hein. C'est un bruit de bouche que j'ai fait. C'est le stress, je commence à faire des bruits bizarres. Vous vous rendez compte qu'il est 22h41 ou pas, le chat? Juste comme ça, hein. Un jeu d'une heure, poète poète. Hein. Ceux qui sont là, oui, le jeu dure une heure. C'est ça, va. Bande de courageux, ça me rend fou. Je m'y cause pas anglais, sourire. Allez, je maudis celui qui ne peut m'aider. Allez, on y va. Ouais, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas reposer la feuille? Allez, 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 qui t'y fait? Oh non! Il s'en va? Je vais me faire dessus, je vais me chier dessus, je le sens. Je suis désolée pour ces termes, mais je le sens, ça va arriver. Oh, je le sens. Oh, je le sens. On y va. Ah. Il n'y a plus de porte. Il n'y a plus de porte. Oh, certificat de décès. Bah ça, on a compris, hein. Ouais, je sais, j'ai remarqué. Ah, quand j'ai peur, tout va vite. Hein. Voici un document qui date de 1958. Alexei, je veux me marier à Spock. Elle a refusé de travailler ici? Non, c'est quoi? Aidez-moi. Mais c'est quoi ce bruit? Voici les documents de 1958.
dont Marie a parlé lui a répondu qu'il ne participerait plus à cela et a été refusé de travailler avec elle, alors qu'elle était dans le cas en question. Et à qui parlait-elle quand Yakov l'a vue? Il y a autre chose, certificat de décès. C'est son fils Ivan. Il est mort en automne 1950. Apparemment, elle n'a pas pu le supporter et est devenue folle. Elle voulait tellement le sauver qu'elle a perdu le contact avec la réalité, pauvre femme. Putain. Je fais que de me retourner, mais j'ai peur. Allez, on y va. On y va? C'est pour nous, c'est pour nous. Je vais m'étouffer. Putain. Putain. Pourquoi? Oh non, je viens de débloquer le bibac soon. Oh. Non, non, non. Non, non, je lève pas la tête. Non, non, non. Ah. 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 Je m'en vais. Je m'en vais. Ah. Putain de merde, là, qu'est-ce que c'est que cet endroit, là? Oh, putain, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Sors, sors, sors. La clinique. Putain, je vais crever. Je vous l'ai dit qu'elle reviendrait me hanter, je vous l'ai dit. Ah, la connasse, elle va revenir longtemps. Arrêtez. Arrêtez, je me sens mal. Ah. Mais va-t'en, mais va-t'en, mais quitte cet endroit de malheur. Trois semaines plus tard, on retourne dans la même merde. Allez, on avance. Oh non, hein. Return to the camp. Putain, mais il finit quand ce jeu? J'ai plus ma caméra. Ouh, arrêtez, hein, j'ai peur. Va-t'en. Je me sens pas bien. Prendre un screamer dans le vent. Hello Yakov. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous lire. Bonjour Yakov. Bon, en gros, ils sont amis, quoi. Ils protègent cet endroit. I'm glad that the investigation turned out to be us. Barré. Me juge pas trop vite, hein. Tu serais étonné. C'est fini? Ah, c'est fini? Y a plus rien après, c'est bon? C'est fini, fini? En gros, il est heureux d'avoir aidé Yuko à trouver la paix. Ah, je m'en suis douté, hein. Une meuf, la seule truc qu'elle a compris. Scène post-crédit qui skip pas. Ok, c'est une scène post-crédit. Ah, il y a une scène post-crédit, mais c'est trop stylé. Ah, oh, putain, ok, je vous baisse le son. Je vous coupe le son en attendant. Je suis heureux que cette enquête soit avérée si intéressante et unique. J'ai réussi à résoudre le mystère de 58, à aider Yakov à trouver la paix et la liberté. Vous pouvez lire à ce sujet dans mon blog. Mais nous devons passer à autre chose. Je vais dans un autre endroit avec une histoire terrible. Où vivaient les sorcières. Et là, j'aurai un cas inhabituel. Je vous en parlerai plus tard. Waouh. Ouais, ouais, ouais. Ah, ils se dirigent vers la maison, là, non? Les gars, ils se dirigent pas vers la maison, là? Vers la maison des sorcières. Non? Oh, putain, si c'est ça. Moi, j'en peux plus. Moi, j'ai dit stop, hein. Stop it, hein. Stop it the game, hein. Pas ce que je dis, mais...
Stop, stop, stop. Ah ouais? Oh putain. Oh, j'ai peur, hein. Ah non! Ah non, on recommence pas, hein. A few days later. Ah non! Oh putain, ça commence. Oh là là, déjà enchaîné. Oh non, c'est moi qui contrôle, ça recommence. Ça recommence. La batterie est morte, et bah let's go. Bah tiens, on la bouffera et on verra ce qu'on va faire après. Putain, on peut plus moi. I had to wait for the person. J'en peux plus. J'ai l'impression que c'est sans fin. On va se retaper une enquête derrière. Oh putain. Si quelqu'un peut traduire ça. Les gars, sans déconner, je donnerai mon avis après. Je donnerai mon avis après, en toute honnêteté, d'accord? En mettant de côté la peur. Vous allez être épatés. C'est ce que j'ai à dire. Ascenseur émotionnel, tu connais? Ah, j'en peux plus, là. Si quelqu'un peut traduire ça... En fait, là, je viens de passer par la joie parce que vous m'avez dit « Bravo, Kiki, t'as terminé. » Et là, c'est le... Regardez, le capteur cardiaque qui remonte. Le cœur qui est en mode « Oh, non, on l'en passe là !» Donc, j'attends la traduction. Thriller, à toi de jouer. Thriller, le crack. Mais oui, grave, Thunder, quand tu crois que c'est terminé, let's go, on y retourne. Vous vouliez une autre petite cuillère? Allez, on y va. Putain. C'est pas fini, je retire ce que j'ai dit. Ah bah, pas fini. Oh mon Dieu. Mais tellement, Aiden, mais tellement... J'essaye d'attendre la traduction pour voir si elle arrive. Si elle n'arrive pas, c'est pas grave. En tout cas, ça, c'est une histoire de sorcière. Ah, j'ai dû attendre. Merci, Thriller. J'ai dû attendre la personne qui a acheté ceci après son arrivée. Quelques jours plus tard, quelque chose s'est mal passé. Cet endroit a cessé d'être inoffensif. Je suis coincée ici. Je ne pense pas qu'une femme d'un refuge en russe puisse s'attacher et me suivre. Cette maison a-t-elle un pendule pour des gens comme elle? Et si d'autres esprits me suivaient, c'est peut-être pour ça que je n'ai trouvé personne dans ces maisons. Oh putain. Putain. J'ai miraculeusement réussi à m'échapper de cet orphelinat abandonné, mais je ne suis pas sûre d'être libérée maintenant. On doit essayer de sortir et d'avertir ce gars qu'il est dangereux de rester ici. Pas possible. Il se fout de ma gueule? Il se fout de ma gueule ou il se fout de ma gueule? C'est lui qui a décidé de retourner là-dedans. Il aurait pris... Putain, il aurait pu prendre un Ouigo et repartir chez lui. Eh ben non. Eh ben non. Super. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais vous le dire ce qui se passe. On subit comme d'habitude. Oh putain, j'ai peur, hein. Allez, le retour du couteau. Est-ce qu'il fallait le prendre pour activer la suite? Non, non. Dis rien, Kratos. Ah, mais putain de ces morts, qu'est-ce qu'elle fout? Je vais m'approcher d'elle. Cinématique du tout.